Lors de mon séjour en Louisiane, j'ai vu des choses incroyables. Mais en passant par la Nouvelle-Orléans, j'ai eu l'opportunité de passer la soirée avec une prêtresse vaudou. Lors de cette soirée, nous avons enquêté dans un lieu énigmatique. Un petit appartement au-dessus de sa boutique vaudou. À la fin de l'enquête, nous avons appris que l'appartement avait été le théâtre d'un drame d'une cruauté extrême. Le couple qui vivait là s'appelait Zach et Adi. Zach et Adi se sont rencontrés dans le French Quarter alors qu'ils étaient tous les deux serveurs. Ils se sont rapidement mis en couple et ils se sont confinés ensemble pendant l'ouragan Katrina. Au début, c'était l'amour fou, la passion, ils étaient inséparables. Mais quelques semaines plus tard, les choses se sont compliquées. Adi souffrait de bipolarité et Zach de troubles post-traumatiques après avoir servi durant la guerre en Irak. Les disputes devenaient de plus en plus violentes jusqu'au jour où Adi décida de le quitter. Zach, dans une colère monstre, étrangla Adi jusqu'à son dernier souffle. Il s'endorma près du cadavre d'Adi et alla travailler le lendemain, comme si de rien n'était. Durant plusieurs jours, il tenta de faire disparaître le corps en le découpant et en faisant bouillir certaines parties. Il n'arriva pas à finir et laissa des messages sur le mur comme « Je l'aime, je suis un raté, regardez dans le four ». Deux semaines plus tard, il se suicida en se jetant du haut d'un building. Il avait une lettre sur lui, adressée aux policiers, où il avouait le meurtre et donnait l'adresse du lieu. Presque 20 ans plus tard, cette histoire a marqué les esprits, et cet appartement n'a plus jamais été habité. Je m'apprête à revenir visiter l'appartement seul et en journée. Sur place, deux personnes qui partent à mon arrivée. Je décide d'improviser une petite enquête. Ce qui va suivre est irrationnel. Tout au long de l'enquête, je vais être entouré de PVE et PSE sans même m'en rendre compte. Pour votre confort et une expérience plus immersive, je ne rejoue pas les scènes en replay. Bon visionnage. Ok. On va retourner dans l'appartement de Hebe et Zach. Qui sont ces deux personnes? Et là, en fait, on est dans l'endroit où il y a le musée, où ils font les séances. Oui, il y a le reste du musée, mais nous on va monter directement. Parce que cette partie-là est assez incroyable. On va aller voir ce qui se passe en haut. Donc elle m'a dit qu'il y avait deux personnes, je sais pas si c'était les deux personnes en bas. Il y a peut-être deux personnes en haut encore. En espérant qu'elles soient vivantes. Bonjour. Good morning. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Bonjour. Hello. Donc là, la petite chambre. Il disait qu'il y avait deux enfants. Putain, c'est glauque. Mon Dieu. Donc là, c'est la fameuse pièce où Zach est resté deux semaines sans bouger en écrivant partout sur les murs. Hi, if someone is hearing me, I don't want to offend you. I come here to talk to you and see if you need anything. Oh. Oh, if you want to talk. Oh, c'était quoi ce bruit? C'était des gens? Je sais pas, ça venait dehors. Et la fameuse salle de bain, du coup, où il y a eu le meurtre et où le corps a été découpé, malheureusement. On se demandait avec Karine hier si c'était de la salissure ou des restes de. Je sais pas. Je vais même pas y penser. Ok. L'énergie est très puissante, hein. Wow. Hi, do I'm going to leave some money for you.
Do you want to talk to me? C'est quoi ce bruit? C'est bizarre. Ça claque. Je vais laisser un peu d'argent. I'm going to leave you some money. I don't know where. Why do you want me to put the money? Some cigarettes, everything. Okay. C'est ça, un peu de bêtises. Faire des dégâts. Je vous refais un petit room tour. J'étais en train de vous montrer, mais mon autre caméra a coupé que malheureusement, on va pas voir. Il y a un peu d'argent ici. C'est très obscur. Là, on est dans la pièce des jouets. Et là aussi, vous voyez, il y a aussi un peu d'offrandes. Un peu de billets, un peu de pièces. Oh, l'atmosphère est très étrange, elle est très lourde. C'est très sombre cette pièce, donc je pense que je resterai pas là. Et ici, vous voyez, il y a aussi un tas d'offrandes. Beaucoup d'argent, parce que ça fait partie de la coutume vaudou aussi, de faire des offrandes. Enfin, dans toutes les cultures, hein, il y a des offrandes avec de l'argent, avec des choses agréables, ça peut être de l'alcool, la nourriture. Hein. Je sais pas si vous voulez, mais il y en a qu'on laisse des boissons. Je suis pas certaine, mais voilà. Et on revient un petit peu par ici. Tiens, c'est quoi cette photo? Cette pièce. Je suis contente. Enfin, je suis contente. Les deux personnes sont parties. Donc là, actuellement, je suis seule dans l'endroit. Donc je vais essayer de faire quelque chose. Tant qu'elle ne me vire pas, je vais pas essayer de rester non plus trop longtemps. Je pense que je vais me mettre un peu là. Avec les poubelles plaques. Bonjour, je m'appelle Vanessa. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas si vous parlez français. I don't know if you speak English. Or if you speak French. If you speak English, you can understand me. I'm here to talk to you. To play with you. Oh. There are a lot of toys around me. Do you want me to play with you? Shall we play? What toy do you want me to play with? On va mettre un peu costume. Can you hear me? Je survive. Is there someone here? Fourni. Ça fait peur. Donc là, j'ai pas mis la Ghost Box, j'ai mis la Spirit Box. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Moi, je m'appelle Vanessa. My name is Vanessa. What's your name? Donc ici, apparemment, il y a le fantôme de deux enfants qui s'appellent Abe et Annabelle.
Abe, Annabelle, can you hear me? Is there someone else? Je trouve un peu de bruit. Astérion, could it be your name? C'était bizarre cette voix. Certaines personnes auraient pu partir sur des délires démoniaques, mais je ne vais pas faire ça. Je suis seule dans un endroit où il y a déjà eu un truc affreux. Can someone hear me? Do you want to talk to me? The young people can hear me. Est-ce qu'il y a des personnes qui parlent français? J'entends le berceau grincer. C'est bizarre. J'arrive jamais trop à comprendre ce qui se passe sur celui-là. On va prendre le costume normal. Ok. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Can you hear me? Do you want to talk to me? Is there someone here? Allô? Can you knock on something? Can you do this? Can you move a toy? Je suis entourée de poupées, vous n'avez même pas idée. Faut que je vous montre quand même. Pourquoi es-tu ici? Well, I know it could sound strange. My name is Vanessa and I'm a paranormal investigator, a psychic. I visit places like this to talk to people because maybe they need help. Or maybe they want to talk. Or maybe they feel alone and they want to be with someone. So if someone wants to stay with me, play with me, talk to me, I would be very happy with this. Is there someone here? Can you understand me? Can you talk? Je vais vous montrer la pièce. Oh, je crois que j'ai entendu. En fait, le truc, c'est qu'on donne sur la rue, donc c'est très dur. J'ai entendu un truc genre un truc comme ça. Et après, j'aurais dévié une poignée de porte, mais ça avait l'air d'être en bas. Et une fois de plus, ça peut être une résonance de l'extérieur. Oh. Oh. Non, là, ça a marché. Ça, j'ai carrément senti le... I think I heard you. Comme si ça marchait sur le plancher, ça a résonné carrément. You're there, right? You're with me? Can you tell me your name? I said I was Vanessa. C'était bizarre. C'est vraiment bizarre. Je vais vous montrer un peu la pièce autour. Talk to me, please. I feel very alone. Talk to me.
C'est ce que je veux. What do you want? You want to talk to me? Je vous montre vraiment ce qu'il y a autour. Well, if you want to talk to me, say something. What do you want to tell me? Petit placard. What do you want to tell me? Can you move a doll? Should I go somewhere else? I thought maybe you wanted to play. That's a nice picture. You know what I'm doing actually? I'm making a memory also. Maybe you want to show yourself. Or maybe you want to talk to this device. Oh. Is that you? C'est bizarre, je sens des vibrations hein, au niveau du plancher. Are you walking over there? Coco Melon. Dans l'hôpital. All right. Well, I just wanted to talk with you, so if you don't want me to be here, I'm just moving around, okay? And if finally you want to talk to me, ça faisait un truc bizarre sur le miroir, là. All right, I'm going in the other room. C'est quoi ce bruit? Je pense qu'il y a des gens en bas, donc je vais me dépêcher. Essayer de rester un petit peu par ici. I'm actually in the bathroom and kitchen. Maybe boat. Why are you talking about a boat? It's strange because yesterday hier pendant le stunt, je parle encore en anglais. Maria me parlait d'un marin, d'un bateau. C'est revenu souvent dans la soirée, c'est un peu bizarre. What is it with a boat? Les bruits que vous entendez, là, c'est quand ils détectent des ondes électromagnétiques. Alors, il y a de l'électricité, donc bon, il peut en détecter, bien sûr. Is there someone else? Is there someone here who wants to talk to me? Adi, are you here? I would love to talk to you. I'm very sorry for what happened to you. I hope you rest in peace.
Is there someone here? If you don't want to talk, can you knock on something or do something else? Sacrifié. Sacrificed. Yeah. Do you know why? Can you tell me why you were sacrificed? Or why you sacrificed someone? What happened? Do you regret? Zach, do you regret what happened? Téléphone. Téléphone? Yes, I have a phone in my hand. Do you want to use it? You can use it. You can use it now. Whom do you want to call? Can you use the phone? Do you want to call someone? Je pense que les gens vont pas tarder à monter. C'est dommage, mais je vais faire un petit SLS vite fait. Alright. I don't know if you want to talk to me, but if you don't want, that's okay. I'm going to put a device. C'est brillant. C'est brillant. I don't know what it means. Je vais mettre le mode SLS pour voir si il y a des gens. Alors je vous le dis une fois de plus, le côté Kinect, je suis pas hyper fan, mais écoutez, on sait jamais. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la baignoire? Donc c'est là, vous savez, le mode SLS, c'est le mode Kinect. Va faire apparaître des petits bonhommes bâtons. Jamais il voit quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Is there someone? Do you want to show yourself? Oh, what is that? Qu'est-ce qui détecte la bouteille? Okay, I'm going in this room. Is there anyone? C'est creepy as fuck. Creepy as fuck. Cette pièce là en plus, quand on connaît l'histoire, c'est ici que Zach, alors je vous montre, c'est là, qu'il est resté 2 semaines après avoir tué Adi, et qu'il avait écrit partout sur les murs. Ah, alors, toujours cette histoire de chaises et de meubles qui peuvent provoquer des points. Vous voyez, ça c'est pas... Je sais pas si c'est hyper fiable. Moi je suis pas hyper fan, mais bon. Comme je vous dis, tous ces appareils au final ils sont intéressants si jamais... bon, ils continuent de me faire, donc je pense que... Alors soit il y a quelqu'un d'allongé là. Qu'est-ce que ça peut être? J'entends chuchoter. Vous parlez, mais je crois que c'est toujours les gens. Et je disais, ça peut être intéressant s'il y a des corrélations, s'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Ah, alors là, en effet, vous voyez, et en fait, il a détecté une poupée. Là aussi, je pense, bon voilà, de toute façon, ça va être compliqué. Que dans le placard, à la limite. Là aussi, il détecte. Petite poupée. C'est affreux, hein, cette vision. Je sais pas si vous voyez bien, mais... Même négatif, là. Bon, évidemment, il détecte plein de petits corps. Ça nous intéresse beaucoup plus en face. Alors là, je pense qu'il va détecter
La femme n'est même pas. Même pas. Ok, est-ce qu'on a toujours un petit bonhomme allongé sur les billets? Oui. Vous voyez, c'est un défaut. Ok. Donc là, première vue. Alright, you know, I'm not going to stay for... J'ai l'impression d'avoir vu un truc là. I'm not going to stay because I'm not allowed to and this is not... Ah, je pense que vous l'avez vu. Il avait détecté quelque chose là. Ok, alors là c'est plus intéressant dans le sens où ça n'a pas l'air d'être le meuble, ça n'a pas l'air d'être l'effet que j'ai fait. I think I saw you. I hope you're not hiding yourself. I'm sorry if you're scared of me. I'm not evil, I'm not bad. I'm just wandering around to talk to people and to check if they are okay or if they need help or... Are you seated here? Can you walk? C'est bizarre, on dirait vraiment qu'il est assis. Ça fait bizarre. Okay, I think I see you. Do you want to tell me your name? Can you say hi with your hand? Can you wave? Can you move? Can you walk in the room? Génial, ça. Okay, I was saying that I'm not going to stay because I have to go back. Unfortunately, I would love to stay. Ça sent la weed d'un coup. Très bizarre. Mais pourquoi ça sent la weed d'un coup? Attendez. C'est bizarre, quand même. Ça sentait pas tout à l'heure. En plus, la weed, c'est une odeur très spéciale, donc... Okay. Ok, I'm going... Wow, des petits bonhommes sur les billets, incroyable. I'm going to leave, so if you want to say something... Ça aussi, vous voyez, je pense que c'est les points que font les meubles, qui font un bonhomme. So if you want to say something, ask for something, share something, let me know before I leave. Ça aussi. But I was very glad to come here to visit you. I'm sorry if I didn't understand something you could have said. But I hope you rest in peace. Huh, intéressant. Ça, c'était intéressant. Okay, I saw you. Ça, c'était intéressant parce qu'il n'y a rien qui pouvait provoquer des points. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de meubles, il n'y avait rien. Ah, ça a duré une seconde. Okay, I think I saw you. I'm sorry. If you're in front of me, I'm going to go through because I'm leaving. Please rest in peace and try to be happy. Okay, thank you. Bon, on va quitter cet endroit. C'est incroyable comme endroit, franchement. Je vais essayer d'aller faire un petit tour ailleurs parce qu'il y a d'autres endroits. Rescanne une dernière fois. Merci pour tout. Si vous parlez français, Merci. C'était incroyable. Je vous laisse. Merci pour tout. J'ai une jambe qui lâche. Voilà pour la petite enquête que je pouvais vous proposer aujourd'hui. C'était pas évident, comme je vous disais, on était dans des conditions déjà de journée
dans des lieux où il y a du monde. Alors j'ai eu la chance pour le lieu à la fin parce que j'étais littéralement seule et j'aurais pu être avec beaucoup plus de monde. Voilà, donc là je suis dans le jardin de Bloody Mary, la cour. Là vous avez le bâtiment dans lequel on a enquêté, qui n'est pas encore ouvert au public, qui était l'ancienne étable et où il se passe encore des choses bien mystérieuses puisqu'elle n'a pas trop les infos. Donc elle essaye de les choper avec les médiums qui viennent. De ce côté-là, on a la boutique ici et le musée là, et du coup bah, à l'étage, l'endroit où j'étais, hein, la maison où il y a eu le drame. Voilà, donc on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo, que ce soit sur la Nouvelle-Orléans ou complètement une autre enquête. À bientôt, bisous.